ça a été une saison intense. À chaque fois, il y a eu 80% des matchs qui se sont joués à quelques points. Donc c'est vrai que jusqu'ici, les playoffs, je pense qu'on est sur le point quand même d'y accéder. Donc c'est quand même super sur le programme qu'il y a sur 3 ans. Donc bon, on est avec l'équipe, on la soutient et qui nous donne autant de plaisir l'année prochaine. Moi, c'est la première année qu'on était partenaire hein, cette année. Donc c'était l'occasion de connaître pas mal d'autres partenaires entreprises qui étaient sur le secteur, donc plutôt des contacts intéressants. Voilà, à faire fructifier bien sûr dans le temps. Donc voilà, soirée comme celle-ci, c'est l'occasion également de nouer des contacts un peu sur la partie business. C'est très important parce que ça permet aux gens de se connaître, ça permet aux gens d'échanger, c'est un moment de convivialité, ça permet d'être proche des joueurs. Donc pour tout ça, c'est important. Et puis ça fait cultiver les relations entre le club et tous les partenaires qui sont essentiels pour le fonctionnement du club. Il y a une dimension familiale, oui, qui existe. Et puis, oui, c'est effectivement ça, cette ambiance sympathique, décontractée. Et puis, on a l'impression d'avoir des échanges qui sont des échanges vrais, je dirais, où les gens se parlent librement, il n'y a pas de masque, on essaye d'être simple et orienté vers la poussée de l'équipe vers la proie. Mesdames, messieurs, ce soir, aujourd'hui, fête son anniversaire, donc 45 ans pour Franck Colino. On va le faire ensemble. Fabien, tu coupes un peu la musique, parce qu'en général, dans ces moments-là, ça fait... Joyeux anniversaire. Bon, au niveau de la saison prochaine, on a prévu d'abord que les partenaires soient encore plus nombreux. C'est d'abord, je vous remercie ce soir d'être venu présent là, pour cette soirée des partenaires. Sans vous, on ne serait pas là ce soir. Donc on a, je dirais, trouvé des nouveaux partenaires cette année. Notre objectif, c'est d'en trouver encore 20 ou 30 nouveaux partenaires l'année prochaine. Donc si vous avez des gens passionnés du basket autour de vous, n'hésitez pas à les faire venir vers nous. Plus la salle à Mangin sera complète, plus il y aura de passion et plus on verra de beaux spectacles. Et les joueurs aussi aiment bien jouer autour d'une salle avec un public qui est très passionné comme aujourd'hui à l'Hermine. Pour eux, on peut les applaudir. Merci. Merci Jean-Luc Lagourme. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une très belle équipe. Il y a de très belles fondations, de bons projets, une belle communication. On est dans la lumière, le son et la vidéo. Et donc, on va refaire l'espace VIP justement en lumière. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'Hermine? Il y a une ambiance, pardon? Une ambiance, ouais, c'est sympathique. Quelque chose qui est bon enfant. Pas du sport, on va dire, type coincé, c'est très agréable. Si on est là, c'est justement pour ça, on veut vivre ça, on veut vivre cet esprit familial d'être voilà, tous ensemble, de se dire qu'on vit des mouvements agréables. Le sport, c'est ça, justement, c'est vivre quelque chose de plus qu'ordinaire, extraordinaire, de se dire, voilà, on y était. Pour qu'il y ait des bons joueurs qui viennent à Nantes, il faut qu'ils se disent que Nantes a un vrai projet. Il ne va pas venir parce que, tiens, Nantes me plaît. C'est pas ça l'idée, c'est de dire, vous avez vu ce qu'on a construit, vous avez vu ce qu'on a fait. Quand on voit cette salle à Mangin, comment elle s'est métamorphosée tout au long de la saison, et ce qui est fait aujourd'hui pour accueillir un peu plus de partenaires, mais quand on dit plus de partenaires, c'est pour passer à un niveau supérieur. Et je crois que Nantes, l'Hermine, n'aurait pas à rougir de son équipe de partenaires si elle était en Pro A, parce qu'on voit qu'il y a du monde derrière, et il y a de quoi faire quelque chose en Pro A. Maintenant, il fallait des dirigeants avec, il faut une équipe, et voilà, il faut toute la famille qui soit avec du bas jusqu'en haut. Je reste à l'Hermine parce que je crois beaucoup au projet. Et cette première saison a été assez exceptionnelle au niveau de l'organisation, au niveau des enjeux de l'Hermine. On arrive en play-off, donc j'espère qu'ils vont faire quelques matchs en play-off. Mais je crois beaucoup au projet, donc oui, évidemment, je continue avec l'Hermine. Alors ce qui change par rapport aux autres clubs ou à certains autres clubs, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un respect, il y a une envie mutuelle, il y a une cohésion d'équipe qu'il n'y a pas forcément partout. Partout, il y a les joueurs et puis après, tu as quelquefois le staff, la direction, mais tout le monde ne va pas dans le même sens. Alors que là, il y a une volonté commune d'aller dans le même sens et dans la même direction.